Bonjour et bienvenue à Berlin. Nous sommes dans la capitale allemande. Tout ça pour essayer une française. Ou pas. Une japonaise. Une franco-japonaise. Oui, c'est ça. Plutôt une franco-japonaise. Car sous cette ligne de profil de Clio, nous avons droit à quoi? À un badge Mitsubishi. Oui, la Clio sert de base pour la nouvelle Mitsubishi Colt. Donc alors on prend toute la carrosserie, sauf cette face avant qui a été modifiée pour intégrer donc les trois diamants et cette nouvelle calandre là avec les sabres japonais, tout en sachant aussi la grosse modification par rapport à la Clio, c'est aussi la signature lumineuse qui n'est plus en forme de trait acéré mais plus un style un peu plus graphique. Sinon clairement pour le reste, aucun changement. On est sur un produit de Made in Renault, donc qui assure au niveau comportement, confort. Et là, notre version, c'est la version haut de gamme, la full hybride 145 chevaux, qui associe un moteur 4 cylindres thermique d'un litre 6 à deux moteurs électriques. Et ensemble, ces trois moteurs produisent 145 chevaux. Mais le plus intéressant là-dessus, c'est surtout que nous avons, grâce à ce full hybride, une consommation rikiki sur notre test de plus de 300 km. Alors, soyons francs, 300 km vraiment fait sur du périurbain, donc qui l'avantage plutôt. Nous sommes à une moyenne de 4,3 litres. À savoir que quand nous étions sur l'autoroute, en moyenne, nous étions à 5,5 litres. Pour vous dire que c'est vraiment comme une Clio, c'est-à-dire que même l'intérieur, c'est celui d'une Clio. Viens voir Julien. Mets-toi à l'autre bout. Là, vous avez le système d'infodivertissement de la Clio, le panneau d'affichage des compteurs digitaux de la Clio avec le volant de la Clio. La différence, là, c'est évidemment l'intégration du logo Mitsubishi. Sur la boîte de vitesse, tout est comme sur une Clio et donc c'est plutôt pas mal parce que c'est plutôt bien fini. C'est plutôt bien conçu, l'ergonomie est plutôt bonne. Donc mine de rien, pourquoi acheter cette Mitsubishi Colt? Parce que c'est une Clio justement. Bon, nous on se revoit une prochaine fois, certainement avec peut-être une roumaine germaine ou autre chose, je sais pas, une japonaise, coréenne, qui sait. Allez, à bientôt.